Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre Let's Play de The Legend of Zelda Link's Awakening. Et la dernière fois, on avait obtenu le pouvoir de nager grâce à des palmes. Ah tiens, il y a peut-être quelque chose quand même derrière les cascades, faut que je vérifie. Donc on va checker un petit peu autour de nous ce qu'il y a dans l'eau. Et ensuite, on va partir en direction de la baie, puisque c'est censé être notre prochaine destination. On n'a pas eu de mots de la part du hibou. Mais je crois que c'est le poisson rêve à la fin du donjon qui nous a dit ça. Alors on a une petite grotte ici. Là je peux remonter mais on a déjà exploré ça donc c'est pas la peine. On va d'abord commencer par cette petite grotte. Continuer à droite. Enfin bref, il y a beaucoup de zones qui s'ouvrent à nous. Ah bah tiens. Ça c'est vraiment gratuit. Il y a plusieurs zones qui s'ouvrent à nous. Plusieurs zones s'ouvrent à nous. Car maintenant on peut nager. Il y a pas mal de cœurs d'ailleurs comme celui-ci que j'avais vu au fond de l'eau. Donc il faudrait qu'on aille les récupérer. Bon, peut-être petit à petit, on va pas s'amuser à tout récupérer, mais si on passe devant, on pourra en profiter. J'ai vu un petit peu vos commentaires aussi, notamment avec le... Ah bah y a rien du tout là. Rien du tout. Le temple des couleurs, je peux y retourner. Donc c'était bel et bien secondaire, ça y a pas de doute. Mais je peux y retourner pour changer la couleur de ma tunique. Je pense qu'on va le faire. On va tester la tunique rouge maintenant qu'on a fait un donjon avec la bleue. Et une fois qu'on aura fait peut-être un épisode, voire même un donjon avec, je propose, si c'est possible, mais je pense que oui, de reprendre la tunique verte, qui est la tunique de base et qui est finalement très bien. Et ça nous évitera d'avoir des bonus de défense ou d'attaque qui seraient un petit peu pétés. Voilà. Oh ! Bonjour ! Bonjour, je peux vous parler ? Je suis Manbo, descendant du poisson lune. Possèdes-tu un ocarina? Effectivement. Je vais t'apprendre ma chanson. D'accord, ok, très bien. Vous avez appris le Mambo de Manbo. Essayez de jouer cet air quand vous serez sorti de l'eau. Bon, bah très bien, très bien. Moi, je suis pas là pour juger. Surtout un poisson qui parle, tu vois. Ça... J'ai trop de respect. Joue mon Mambo pour te téléporter au point de téléportation de l'île. Bah voilà! C'est pas la dernière fois où je galérais pour me TP, mais maintenant je peux. Je peux le faire de n'importe où. Je joue là aussi dans les donjons, qui doivent sûrement me ramener au début du donjon. Pour célébrer notre rencontre, je vais faire en sorte que tu puisses te téléporter à la mare Bobo. Mambo! Donc, on peut se téléporter où on veut, et en plus, il a rajouté un point de TP. Enfin, on peut se TP si je fais la mélodie, hein. Je peux pas le faire depuis la carte comme j'aurais bien voulu le faire. La mare de Bobo, je sais plus où c'est, ça. La mare de Bobo, c'est où, ça? Je sais même pas si je connais. Bon, on verra, au pire, c'est facile. Je joue la mélodie, et puis je vois quel point de téléportation je n'avais pas. Alors on va aller jusqu'au bout, je sais pas trop où ça va me mener. Oh! Oh, comme c'est marrant! Ça sonne là, ça sonne. Peut-être qu'il faut creuser là-haut. Ça doit être ça. J'imagine. Je ne sais pas, où est-ce que je me rends encore là? Attendez. On ferait mieux de regarder l'autre côté. Parce que là, ça a l'air de redescendre. Bah justement, limite jusqu'à la baie. Donc c'est plutôt après qu'on va faire ce passage. Oh! Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Fuis! Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es un gentil, toi? Bon, il m'attaque pas, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah, il y a le cimetière là. Tu t'es perdu, c'est à côté le cimetière. C'est juste là. Tu peux pas remonter là? Non. Ah bah voilà, écoutez, encore un cœur, le bonheur. On est à combien là? Vous avez obtenu un fragment de cœur, vous pouvez vérifier combien on en a. Bah ok, il va pas me le dire quoi, il pourrait me le dire à chaque fois quoi. 3. C'est un petit peu le message, comment dire, flemmard, tu vois, de la part du développeur. C'est le message général. Ok, vous checkez dans l'inventaire combien il y en a, mais tu pourrais voir. Il me semble que dans Ocarina of Time, par exemple, ça le disait. Emmène-moi chez moi, vers la baie.
Ok, bah écoute, c'est pile notre destination, alors c'est quand même exceptionnel. C'est avec un grand plaisir. Oh mais il est là le coquillage. Bon Dieu. Il était au fond de l'eau, vous pouvez supprimer votre commentaire qui disait que j'étais aveugle. Vous pouvez le supprimer, je le connais celui-là. Supprimez-le. Voilà, j'aurais dû le récupérer dès le début. En fait, je regarde, il y avait trop le truc en haut là qui m'attirait l'œil. Oui, je sais, je me trouve beaucoup d'excuses. Mais voilà. Bon, je pense que du coup, là, on peut descendre jusqu'à la baie. Ça là-haut. Ok, on connaît déjà. Le téléphone, hein, peut toujours nous donner un indice si jamais on est paumé. Waouh, c'est quoi à droite là? Waouh, il y a du courant, il y a un fragment de cœur. Waouh, ça a l'air stylé, ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant ce qui se passe là-bas. Là au niveau du pont, rien. On va vraiment aller jusqu'à la baie comme ça, hein. On a pris le bon chemin. Waouh, il y a un truc qui vient. Calmez-vous tous. Là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Le hibou. Au nord et au sud d'ici se trouvent deux temples. Va d'abord au sud, tu y trouveras des ruines antiques qui ont un lien avec le poisson reine. Tu en apprendras sûrement davantage. Bon. Merci pour cette information. Bah du coup, est-ce que je... Oh. Tu veux pas me montrer la carte quand je suis ici? Je sais pas trop où je suis, mais ça m'a l'air intéressant. Pourquoi ça me met pas la carte? Parce que ça va pas afficher le nom du lieu, peut-être. Bon, on va ouvrir ça, mais je pense qu'on va pas explorer cette zone tout de suite, parce que... Je dois pas être au bon endroit. J'espère que je vais pas perdre mon fantôme si je rentre. Oh, bonjour! J'ai envie d'éternuer! Quel effet vous me faites? Incroyable. Tu me sembles être en pleine forme. Reviens me voir quand tu sentiras la fatigue s'emparer de toi. Et j'ai déjà une fée en moi. Bon. Le fantôme m'a suivi, hein, d'ailleurs, remarquez. On va marquer cette zone comme étant une fée, si jamais on a besoin. Et on va se barrer d'ici. Hein. On va se barrer d'ici parce que je veux aller à la baie. Puis le fantôme m'a demandé d'aller à la baie. Donc on va rester focus. Passe tranquillement. Là, je peux remonter ici. Mais ces zones-là, on les a déjà... Voilà, on est à la maison au coquillage, d'accord. Pas de soucis. Tiens, je crois que là, dans l'escalier, il doit y avoir... un fragment de cœur. Je vais peut-être aller checker maintenant, d'ailleurs. Vous me gênez, vous ! Casse-toi ! Voilà. Emmène-moi chez moi ! Vers la baie ! Vers la baie! Dégage! Petit check. Il me semble qu'ici, il y a de l'eau. Yes. Et qu'il y avait un cœur au fond de l'eau. Regardez-moi ça! Hop là. Parfait. Et ouais, regarde. Tout était bien marqué. Et là, je peux foncer, pardon, de l'autre côté, mais ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille! Ça ne m'intéresse pas d'aller de l'autre côté pour le moment. En plus, c'est pas genre... Attends. Non, pas du tout. Bon, peut-être que ça m'intéressera, en fait. Quoique non, on va y aller. Bref, le fantôme. Emmène-moi chez moi. Ah, mais d'ailleurs, emmène-moi chez moi. Oh. Bonjour. J'étais en train de nager dans la baie, et une vague a emporté mon précieux collier. Si tu le trouves, je saurai te récompenser comme il se doit. Alors, oui. Mais là, pour l'instant, je suis un peu bloqué sur mes hibiscus. Alors, l'hibiscus, je crois que c'est au village des animaux. Hein. Faudrait qu'on y fasse un tour. Donc, en fait, pour le fantôme, j'ai une suggestion. Je pense... Oh, mais il y en a encore un là. Mais c'est dingue, ça. Je pense que c'est la maison qui était en ruine quand on avait Marine avec nous. Tiens, on a eu un cœur de plus, là, du coup. Voilà. C'est merveilleux. Alors, est-ce qu'on peut y aller depuis ici? Est-ce que c'est vraiment ça? Réponse dans peu de temps. C'est pas loin, là. Bon,
je pense que c'est ça. Emmène-moi chez moi, puis il y avait une maison en ruine. Non, je pense que c'est ça. Yes, entre, c'est bien ma maison. Voilà. Donnez-nous un bon gros cadeau. En plus, cette fois, j'ai pas Marine pour mieux explorer, parce qu'elle me gonflait que je fouille. Elle aimait pas ça. Que de souvenirs, rien n'a changé. Oh, je t'avoue que ça a dû changer un peu. Je veux dire, il y a des plantes qui poussent au milieu, là. Faut pas exagérer. Bouhouhou! Bon, alors tu... Donne-moi ton cadeau! Parce que là, il va tout doucement, il est un petit peu triste de récupérer sa maison. Enfin, nostalgique. Je veux retourner à ma tombe. Quoi? Emmène-moi à ma tombe! Qu'est-ce que c'est que cette blague? Non! Me voilà bien énervé! Attends, on va quand même fouiller là. La porte de l'armoire s'est détachée, on dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis bien longtemps. Ma tombe, mais c'est pas possible, quoi. Bon, on s'est embarqué dans une quête qui n'était pas totalement prévue. On va faire des trucs, On va tester ça. Voilà, donc déjà, on peut se téléporter de n'importe où. Maintenant... Ah, la mare bobo, c'est là. Est-ce que si je me téléporte, il reste avec moi? Ça, c'est la grande question, hein. On va essayer. Yes! Yes, 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 yes. Ok, donc, si on m'a permis d'avoir un point de téléportation ici, c'est peut-être que c'est utile. Attendez, mais on a... Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah mais oui, mais la tombe, en plus, elle est là! Ok. À tous les coups, c'est ça. À tous les coups, c'est ça. C'est pas le cimetière. C'est ici. Oh, ça sonne. Bah, c'est là. Non. Cassez-vous! Où est-ce que je peux creuser, là? Oui. D'accord. Coquillage, merci beaucoup. Par contre, si c'est pas là, je sais pas quoi vous dire. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Du coup, mon petit cadeau. Oh, il sourit. Merci. Je te donne mon trésor. Il est à toi maintenant. Sayonara. Et ce trésor est... Oh! Un flacon. Très bien. Essayez d'y capturer une fée. Vous savez ce qu'on m'a dit? Mais... Le hibou revient? Vous êtes pas un peu relou, vous? Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mon garçon. Oh bah, ça doit bien faire 10 minutes, quoi. Je veux dire, c'est vrai que ça passe, hein. Plonge dans les profondeurs de la baie de Martha et entre dans la gueule du poisson-chat. Plus tu te rapproches du poisson-rêve, plus son sommeil est agité. Tu es sur la bonne voie. Bon. Beaucoup d'informations. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, un truc. Flacon à fée, laissez-la sortir du flacon et elle restaurera vos cœurs. Non, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit... Que tu m'aimais encore? Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que... Que c'était écrit qu'elle ne nous soignerait pas en mourant, en fait. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Et du coup, on va où maintenant? Parce qu'on a fait cette petite quête qui n'était pas forcément prévue, mais qui est finalement bien agréable. Bien agréable. On peut aller checker peut-être ce cœur ou la maison aux coquillages. Non, non, je ne pense pas. On peut tout à fait... On va revenir se TP à la baie, puis on va fouiller la baie. Je veux dire, on avait des choses... Ah non, je sais ce que je vais faire. Je veux me TP au village. Village des animaux. Je veux donner l'hibiscus à je sais plus qui. Je suis presque sûr que c'est là. Et on aura le prochain objet. Parce qu'on a croisé quelqu'un qui voulait un collier. Donc peut-être qu'on pourrait se remettre à jour sur la quête des échanges infinis.
Alors, par contre, je sais pas où c'est. Hein. C'est là? Bah, je crois oui. Oh! Il y a du coquillage dans le coin! Il y a du coquillage! Faites pas les timides. Peut-être si je fonce dans l'arbre. Alors? Bon, attends. Tu m'as apporté un hibiscus, comme c'est gentil. J'ai une faveur à te demander. Vas-y. J'aimerais te confier une lettre pour Mr. Wright, qui habite à l'orée de la forêt. Merci d'avance. Une petite lettre d'amour. Lettre de chèvre? C'est super. Ok. Dans son lit, il y a peut-être un coquillage. Ou alors toi? Je peux te parler? Non? Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça a bien sonné quand je suis rentré. Bah, j'ai pas compris encore une fois. Hein. Je suis presque sûr que ça a sonné. Enfin bref, écoutez, on va continuer. Au pire, ici, il y a peut-être un coquillage dans cette maisonnée. Hein. Le coquillage, c'est bien sûr le carreau. Alors, le gars qui voulait du courrier, c'est lui, là, non? Moi, j'aimerais bien le point de téléportation, là. Téléportation. C'est bien pratique. Ce serait bien de pouvoir avoir un point un petit peu plus proche, là-bas, parce que c'est pas comme si on était un peu désœuvré. Allons-y. Et c'est parti! C'était bien ici, hein? J'espère. Ouais, ouais, c'est toi. Hein. Voilà. Une lettre de Christine pour moi, mais c'est formidable! Il y a même une photo! Oh! Alors ça? Je m'y attendais pas! Quelle beauté! J'aimerais te remercier. Mais je n'ai que ce balai à t'offrir. Ah bah super. Bon, au moins je sais à qui le donner, mais... voilà le cadeau, hein. Un balai, quoi. Mais cette photo, ce n'était pas... Eh oui. C'était pas du tout Christine, ça c'est sûr, en tout cas. À moins que la princesse Peach, d'un coup, ça, en fait, s'appelle Christine. Et on le savait pas. Bon, direction le village... des mouettes. La quête des échanges avance. Moi, je veux retourner au truc des couleurs. Hein. À la fin de l'épisode, on se transforme en rouge. Parce que, à mon avis, on peut aller au donjon l'épisode prochain. Je pense que je peux aller dans le donjon de la baie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faudrait qu'on s'arrête juste devant le donjon, mais avec la tunique rouge. Et peut-être avec un cœur en plus. Ce serait pas mal. Ou peut-être avec l'arc, d'ailleurs. Combien j'ai, là? 962. Donnez-moi des pièces d'or! Donnez-moi des rubis! Je veux acheter! Oh, j'aurais dû récupérer ça avant d'arriver ici, là. Il me manque presque rien. On va aller aussi regarder s'il n'y a pas des nouveaux objets très passionnants au jeu des grappes-grappes. Et youpi youpi, un balai neuf! C'est bien pour moi! Bah, j'en ferai rien. Vraiment. En remerciement, je t'offre cet hameçon que j'ai trouvé au bord de la rivière. Ok. Bon, j'ai un hameçon. Le problème, c'est que le pêcheur, on est bien d'accord que là, il m'a pas du tout parlé de la recherche d'un hameçon. On peut peut-être aller voir, mais je pense pas que ce soit ça. Qu'avez-vous donc ici? Ouh. Juste une partie ou deux. Vite fait. Oh, non, 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 j'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de mon argent, non. On va payer cet arc, tout de suite, maintenant, c'est parti. En avant, ça va nous coûter notre fortune. Mais au moins, je n'aurais pas volé ce pauvre marchand. Oh! Ah non, mais il vend aussi des carélites. Ah bah, mon dieu! Je sens qu'on va pas tarder à s'appeler voyou. Mais ça va pas, monsieur. Arc et flèche, allez. Merci beaucoup et au plaisir, bah évidemment. Bon, je me dis qu'on va sûrement pouvoir obtenir des rubis avec d'autres moyens. Mais ça... Tchic.
Bon, écoutez, c'est bien. On en aura sûrement besoin de cet arc. Et puis, pour attaquer à distance, c'est quand même le must. L'hameçon, on va quand même parler... Cassez-vous. On va quand même parler au pêcheur, parce que bah, c'est la seule personne ici qui pourrait s'en servir, même si les objets jusqu'ici sont un petit peu donnés à n'importe qui. Une partie de pêche, mon gars, ça te coûtera 10 rubis. Bah non, merci, en fait. Sois un peu plus motivé, passionné, montre-moi que tu aimes la pêche, petit gars. Bah attends, Oups, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'arrête pas de pêcher et de perdre mes sous chez toi, alors on se détend bien. Hein. Maintenant que j'ai ça, donc je ne sais pas à qui donner l'hameçon. On va dire que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Donc on va retourner à la baie, explorer un petit peu les alentours. Notamment, en fait, ce qui me stresse, moi, c'est la statue de la sirène qui est en plein milieu. Je sais pas si... Oh, je peux pas zoomer. Ou alors on va ici. Je sais pas. On va essayer d'aller dans le donjon pour voir. Juste essayer de voir si il manque quelque chose, s'il y a besoin d'une clé ou quoi. D'ailleurs, je sais même pas comment y rentrer. Je crois que c'est entouré de rochers. Mais ça, j'aime bien avoir le saut. Et genre là, il y a quoi? Oh, ça sonne, ça sonne! Ah bah, c'est la plante qui est en plein milieu, je pense. Cassez-vous! Hop! Ah oui, on m'a donné une astuce aussi, faudrait que j'essaye. Si je me mets sur la carte et que je fais... ça? Non, j'ai envie d'éternuer! Décidément. Fragment de cœur trouvé 17, coquillage trouvé 19. Je crois que c'était ça l'info que je devais avoir, mais... je sais pas combien il y en a en tout, en fait. C'est ça que je voudrais savoir. Me les afficher, c'est pas mal. Ok. C'est pas tout à fait ce que je voulais, finalement. Cassez-vous! Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller dans l'eau, là? Attends, mais en fait, ça... Attendez. Bon, à chaque fois, je tombe ici. Je dois pas m'y prendre bien, mais c'est pas grave. Là, il y avait de l'eau aussi, au fond. J'étais avec Marine et elle voulait pas venir. Eh oui. Attendez, peut-être qu'on va pouvoir... Bah déjà, trouver un cœur en plus. Mais cassez-vous! Fragment de cœur, merci. On en a 3. Non, 2. On a fait le plein, en tout cas. Est-ce que j'avais déjà vu cette grotte? Je pense que oui. Je pense que la sortie, on la connaît déjà. Ah, peut-être pas, en fait. Je vois où je suis, mais est-ce que j'avais déjà exploré? Ah, pas du tout, non. Bon, il me reste une poudre. Hein. Dis donc, toi, tu as osé me réveiller? Je t'en suis reconnaissant. Prépare-toi à subir mon remerciement. Si tu le veux bien. Je vais te condamner à devoir transporter davantage de poudre magique. Ah! Tu es prêt? Même pas peur. Bien fait pour toi, tu as vu tout ce que tu dois porter maintenant? Prends soin de toi, à la revoyure. Wouah, on en a 40, ça m'a rempli le sac en plus. Encore. C'était le démon le plus diabolique jamais rencontré. Hein. Clairement, celui-là était très vénère. Allez-vous-en, évidemment. Ces petits poissons me saoulent. Aïe. 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 Alors, par où on redescend dans l'eau pour aller voir le dungeon? Attends. Non, j'ai rien dit. Là, on peut descendre. Donc, le donjon, vous voyez... Ah, mais il y a un truc là. Ok. C'est pour ça. C'était vraiment entouré de pierres.
Bah voilà, en fait, on peut déjà rentrer. Bah voilà, ok. Bon, le donjon est déjà à notre portée. Cependant, on va pas le faire maintenant. Poisson-chat. On pourrait garder la tunique bleue, c'est encore dans le thème, hein. L'eau, tout ça. On va se téléporter pour aller changer de tunique. Parce qu'on avait dit qu'on ferait ça. C'est donc au cimetière. Bon, on y va vite fait, hein. Bonjour à vous. J'espère qu'elle va pas me demander genre de payer. Parce que j'ai plus de sous, hein. Ah, elle m'a enfermé. Link, héros de l'éveil, nous t'accordons le pouvoir des couleurs. Si ce que tu désires est le pouvoir offensif, choisis le rouge. Si ce que tu, recherches, ni pouvoir offensif, ni pouvoir défensif. Ah, j'arrive plus à parler. Choisis le vert. Lequel voudras-tu? Eh ben, on va passer au rouge. Et on repassera au vert après avoir testé, d'accord? Et comme ça, on n'aura aucun bonus pour la suite du jeu. Mais on va quand même tester. Vous sentez la puissance envelopper votre corps. À présent, nous allons te renvoyer à la surface. Ah, c'est gentil. Ok, voici le petit crochet. Par la couleur fait, ce que j'aimerais bien visiter à la limite, puisqu'on va pas aller dans le donjon maintenant qu'il nous reste quand même un petit peu de temps, c'est la zone qu'on avait ici. Ah bah tiens, on peut... Ah bah on peut peut-être faire un tout petit crochet par la maison au coquillage, puisque on s'y TP, mais là où le premier hibou nous avait parlé, il y avait quand même des trucs à explorer. Il est probable qu'on soit rapidement bloqué. Ah, du coup maintenant on one-shot tout comme si on avait le truc de puissance en permanence, hein. Il est probable qu'on soit bloqué parce qu'on n'aura pas l'objet du donjon. Glouc, 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 glouc. Pas de réponse. Vous ne devez pas avoir assez de coquillages. Bon, c'était prévisible. Au moins, c'est juste à côté cette fois. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux statues là qui sont quand même un petit peu étranges. Voilà. Ah, il y a un escalier dessous. Aïe. Est-ce qu'on peut les... Mais cassez-vous! Non! J'ai trop l'habitude d'avoir la plume sur ce bouton et du coup j'ai voulu sauter. Laisse-moi tranquille. La plume, s'il te plaît, et peut-être... Ah, peut-être... Ouah, ça l'a transformé en fée. Trop bien. Trop bien. Maintenant que j'en ai 40 en plus, je vais pas me priver. Hein. Peut-être une bombe. Eh mais arrêtez de me bolosser là, ça commence à me gonfler. Voilà, merci. Tiens, j'ai même pas essayé la flèche. Ah non, mais on a encore ce truc là, mais c'est agaçant. Ok, bon, l'objet, vous savez, le fameux objet que j'attends. Apparemment fonctionne sur ces cailloux. C'est pour ça qu'on n'a pas récupéré le fragment de cœur la dernière fois. Ah, c'est pour ça qu'il y en a partout. Et c'est pour ça que je savais pas du tout parce que... Bah l'objet en question que j'ai en tête... Pour moi il marchait que sur le bois comme dans beaucoup d'autres Zelda. Donc j'étais quand même un petit peu dans le doute. Soulevé. Soulevé. Il y a un truc qui bouge. Non, il y avait pas un truc qui bouge. On a un petit labyrinthe qui renferme peut-être un petit coquillage enterré. Ou pas d'ailleurs, il n'y a pas du tout de labyrinthe là. C'est fermé. Ah non, là-haut. Ah ah! Bam! Bam! On va bientôt soulever. Hop. Hop, c'est sûrement le rocher caché là-bas. Parfait. Bon, est-ce que les autres trucs...
Où est-ce que ça me mène, ça? Ah, mais je pouvais déjà venir ici. Et ouais, du coup, je pouvais déjà venir ici. Ah, oh, d'accord. Non! Tout va bien, tout va très bien. Je vous assure, on ne perd pas de temps du tout. Voilà. Boum. Je voudrais parler à la statue de Hibou qui va me donner un petit indice. Si le poisson rêve ne se réveille pas, le héros de cette île périra. Oui, alors ça, c'est un indice sur la mort, quand même. Hein. C'est pas très jouasse. Temple du Sud. Ah oui! Non mais d'accord! D'accord! Ok, donc en gros, il faut le hibou qui nous avait parlé nous avait dit « Va d'abord au sud et après au nord. » Moi, je pensais qu'il parlait ça au sud et sûrement là-bas au nord. Mais en fait, c'est ça. Donc là, on va pas du tout au bon truc. C'est ça qui est agréable. On va pas se prendre trop la tête, mais au moins, ça s'est affiché sur ma carte. Et ça, j'aime. Je sais pas si j'ai fait la grotte qui est juste en face de nous, là. Celle-ci, on y était allé, je crois. Mais j'ai aucune mémoire. Non, ça, on n'a pas vu. Hein. N'hésitez pas à me donner un petit fragment de cœur. Ah. Ah mais non! C'est encore avec les cailloux, là! Pénible! Ok, j'espère vraiment que le prochain donjon, j'ai ce fameux objet. Hein. Parce que JPP! Vous voulez descendre les rapides en radeau? Renseignez-vous à l'intérieur. Aucun record enregistré. Ah! Ne serait-ce pas ce qu'on a vu tout à l'heure qui avait l'air fort fun. Et bienvenue, une balade en radeau, c'est 100 rubis et j'ai pas les sous. Bye bye, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Aïe, aïe, aïe. Avec un peu de chance, il aurait pu avoir envie d'un hameçon, vous voyez. Ça aurait pu être sympa. Mais non. Cet hameçon, je vois pas en plus, parce que... On n'a pas croisé d'autres trucs. Hein. Enfin, je crois pas. Ah oui, on avait fait, il y avait une fée. C'est marqué sur la carte! Non, bah je pense pas pouvoir continuer mon exploration tranquille. Hein. Je pense qu'on va devoir s'arrêter devant le donjon. Et on le fera la prochaine fois. Je pense qu'on a tout vu. Hein. Cassez-vous! Ouais, je pense qu'on a tout vu. Écoutez... Écoutez, on se barre. On se barre, on prend l'ocarina, on se TP et on va au donjon, tout simplement. Ah, peut-être qu'il me faudrait me soigner. Ça peut être intéressant de me soigner. C'est dommage qu'il n'y ait pas les marques. Je sais qu'ici, il y a une fée. Non? Il me semble. C'est dommage qu'il n'y ait pas les marques, justement, quand on se TP. Parce que ça m'aurait aidé de savoir où est-ce que je vais. Si je mets des marques, c'est bien pour m'en souvenir, n'est-ce pas? Comme par exemple, là, qu'il y a une fée. Comme ça, on récupère une fée dans un flacon, dans notre deuxième merveilleux flacon. Peut-être qu'il y en a quatre, vu qu'il y a quatre trucs, là. Je sais pas trop ce qu'il y aurait d'autre comme objet. Non, pas de blague, là. Ne me poussez pas. Parfait. Soigne-moi. Plus vite que ça. Voilà, il faut toujours avoir un petit peu de violence quand on demande des soins, c'est très important. Très bien, écoutez, je vais pas refaire la route avec vous jusqu'au donjon, je pense que ça ira. Je sais pas si on a fait grand chose aujourd'hui. Peut-être là en fait. Oui, voilà.
Je sais pas si on a fait grand chose aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a surtout tourné en rond, échangé des objets, enfin... Je suis pas sûr qu'on ait fait grand chose, mais c'est pas grave, écoutez, je vous avais prévenu hein, qu'il y a des épisodes comme ça où je me perds dans l'exploration et je ne sais plus trop ce que je fais. Mais bon, prochaine fois, du coup, donjon, et j'espère qu'on aura... Mais c'est pas vrai, quoi. L'objet que j'attends depuis un bon petit moment. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'aimerais me trouver un coin un peu calme pour pouvoir m'arrêter. Oh, attendez, 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 vous dis-je. Voilà. C'est bon, vous pouvez partir. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Bye bye. Aïe, j'ai tapé dans le micro. Tout va bien.